C'est sûr que quand on m'a demandé d'être coordonnateur sur la Côte-Nord, ça a été une fierté pour moi. Par la suite, remplacer l'adjoint au directeur, qui était Guy Farrell, qui est décédé aujourd'hui. Et quand Daniel m'a demandé avant les fêtes de le remplacer à partir du 1er janvier, c'est une fierté d'être un directeur du syndicat des métallos au Québec. Je regardais les directeurs qui étaient là à l'époque, je me disais, ah ben ouais, il était là, le job, lui. Il connaît un paquet de choses, il est au courant de tout, puis là, je suis rendu là. C'est spécial. Donc, au syndicat des métallos, qu'est-ce qui est important de le savoir, c'est que tous les directeurs ont passé par la base. On a travaillé d'une shop, on a travaillé d'une mine, on est devenu délégué, on est devenu président, on est devenu permanent, corde d'eau, adjoint directeur. C'est comme ça fonctionne. Donc, puis moi, je vais continuer à fonctionner de cette façon-là. Durant le mandat que je vais être là, je vais encourager les délégués et les présidents de section locale à s'impliquer pour qu'on trouve dans ces gens-là des leaders qui vont devenir des permanents, puis par la suite des futurs coordonnateurs et directeurs. Directrice, peut-être une femme un jour sera directrice du syndicat des métallos. On ne sait pas.